Il n'y est pas tout le monde. Alors, mon yep épisode du jour sera consacré aujourd'hui au blog. Où sont les niches? Voilà, alors pour savoir où sont les niches, bah, il y a des éléments, on va dire, un peu innovants, comme des analytics sur Internet qui vont vous donner les mots-clés dans les recherches les plus effectuées en fait. Donc ça va vous permettre de cibler le besoin et vous allez pouvoir vous servir de ces analytics en fait pour aller vraiment chercher des marchés de niche. Mais sinon, bah, il y a également plus simple, il y a le bon sens. Si vous avez envie de créer un blog, il faut déjà être capable d'identifier vos propres besoins à vous. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous ciblez? Et quels sont les besoins de votre cible? Alors aujourd'hui, il y a une stratégie, c'est soit on prend une cible large, la cible large c'est celle avec laquelle on prend pas de risque, pardon. Et si vous avez une activité en parallèle, bah, c'est parfait parce que ça vous permet de travailler sur la longueur et essayer de tester votre projet de blog de façon semi-pérenne dans le temps, on va dire, et progressif surtout. Donc en fait, il y a le bon sens, c'est quels sont les besoins, vos besoins ou les besoins potentiels de vos clients et quelle cible vous voulez avoir. Si vous choisissez une cible qu'on va dire internationale, donc déjà le premier levier, c'est la maîtrise de la langue anglaise. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'approcher cette cible internationale, qui serait vraiment très propice à la mise en place d'une activité sur le long terme, il faut vous détourner vers bah, l'activité qu'on va dire un blogging national. Et là, par exemple, si on regarde qu'est-ce qui attire le plus les gens et les intéresse le plus actuellement, bah, c'est tout ce qui tourne autour du développement personnel et de l'indépendance. Et voilà, c'est tout ce qui est autour du marché de l'apprentissage et autres. C'est des marchés qui marchent très très bien. Donc comment s'enrichir personnellement, comment s'accomplir, gagner de l'argent en ligne, monter un blog, monter son e-business. Donc voilà, c'est un peu tous ces marchés-là. Voilà. Donc en fait, la cible future, bah, elle va être plutôt B2B, c'est-à-dire en relation directe que plutôt B2C quoi. J'ai dit n'importe quoi. Coupure. Donc, dans les marchés de niche, on va avoir le bricolage, la déco d'intérieur. La mécanique aussi, en fait tout ce qui a trait par exemple aux formations, au e-learning, au tuto, la démonstration qui marche très très bien. On le voit d'ailleurs avec tous les tutos beauté et autres, c'est juste formidable pour une nana d'apprendre à faire sa manucure aujourd'hui, c'est très simple. Et bien d'autres choses, hein, en fonction des centres d'intérêt de chacun. Donc voilà, il y a plein de marchés de niche à saisir. Donc je serai vous, ben je saisirai ma chance, je créerai mon opportunité et puis pourquoi pas, à défaut de gagner beaucoup d'argent, déjà vous arriverez à vous enrichir peut-être personnellement. Et je crois qu'aujourd'hui on manque énormément d'enrichissement personnel. On a besoin de retrouver un équilibre avec nous-mêmes. Nombreuses personnes souffrent de burn-out et je le constate chaque jour autour de moi. Donc je pense que voilà. Utilisez l'innovation pour gagner un peu de temps et reprendre confiance entre vous-même. Et pourquoi pas, peut-être qu'un blog permettra de révéler en vous bah, des compétences. Voilà. Ayez l'internet créatif, entrepreneur et visez votre autonomie. Et informez-vous. L'information, je pense que c'est au cœur de tout progrès, autant personnel que professionnel. Donc voilà, je vous souhaite bel accomplissement et je vous dis à bientôt, yépa tout le monde, pour un futur yépa épisode. Voilà, ciao!